Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Actes, chapitre 16, s'il vous plaît? Actes chapitre 16. C'est bon, tout le monde l'a trouvé? On va lire à partir du verset 23. Après qu'on les ait eu chargés de coups, de fouets, ils les mirent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les mit au fond de la prison et leur serra les pieds dans les ceps. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous furent rompus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde a lu ce passage avec moi? Amen. La Bible dit au verset 25, vers minuit. Amen. Nous savons tous que nous tendons véritablement vers le retour de notre époux. Alléluia. On nous dit qu'il est minuit moins 3 minutes. Les choses s'accélèrent. Alléluia. Et là, la Bible nous dit qu'il est vers minuit, Paul et Silas, en étant en prison, alléluia, au lieu de commencer à se lamenter sur leur sort, au lieu de commencer peut-être à pleurer sur leur sort, alléluia, comme toi tu peux être jeté en prison, alléluia, par l'ennemi. La prison n'est pas forcément ce que nous pouvons voir, c'est-à-dire des barreaux, alléluia, quatre murs et des barreaux. Il y a la prison aussi spirituelle dans laquelle tu peux être, amen, où l'ennemi t'a enfermé depuis toutes ces années et tu ne vois rien dans ta vie, amen. Et les gens même peuvent te poser même la question, est-ce que réellement Dieu est dans ta vie, amen. Pour quelqu'un qui a réellement expérimenté Dieu dans sa vie, ça fait très mal d'entendre ces paroles. Amen. De se dire que est-ce que Dieu est réellement dans ta vie? Est-ce que tu l'as réellement rencontré? Amen. Tout simplement parce que tu es enfermé depuis toutes ces années. Alléluia. Et pendant toutes ces années, tu as cherché des solutions humaines. Tu es parti vers les hommes. Tu es parti vers des solutions totalement humaines. Alléluia. Mais tu ne t'es jamais retourné vers Dieu. Celui qui a la solution de toutes les solutions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes sûrs que Jésus a toutes les solutions? Tu es sûr? Tu es réellement sûr? Mais alors pourquoi tu ne te tournes pas vers Jésus depuis tout ce temps? Hein? Si tu es sûr que Jésus t'a créé, si tu es sûr que c'est Jésus qui t'a formé, alléluia, pourquoi tu ne vas pas vers lui? Amen. Pourquoi tout ce qui t'arrive, tu te mets toujours à pleurer, à te lamenter, à chercher des personnes à qui accuser. Amen. Alors que Paul et Silas ici étaient en prison. Alléluia. Paul pouvait dire à Silas, non mais c'est à cause de toi aujourd'hui qu'on est en prison. Ou Silas pouvait dire à Paul, non mais c'est à cause de toi parce que tu as trop parlé, parce que tu n'as pas été sage. Alléluia. Non, 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 bien-aimé. La Bible nous dit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. C'est-à-dire, ils rendaient gloire à Dieu d'être en prison. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Il rendait gloire à Dieu pour être en... Tu es sûr? Non, je pense qu'on ne réalise pas encore. Ils priaient, bien-aimés. Ils étaient en prison, enfermés, condamnés, peut-être, pour la faim. Alléluia. Mais ils n'ont pas cherché à regarder leurs conditions. Ils n'ont pas cherché à regarder pendant combien de temps ils devaient rester en prison. Alléluia. La Bible nous dit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Bien-aimé, quand tu lis ça là, tu peux même être chargé de problèmes. Alléluia.
Mais quand tu lis ça, tu es totalement déchargé. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Donc en fait, le secret, c'est de te louer même quand je suis enfermé, même quand je suis accablé, même quand je suis oppressé, même lorsque je suis tourmenté. Le secret, c'est quoi? C'est de te louer, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le secret d'une vie chrétienne qui dure, qui perdure, frère, c'est que malgré les combats, malgré tout ce que tu peux avoir, loue Dieu. Malgré tes combats, malgré tes adversaires, même s'ils peuvent se multiplier, bien-aimé, le secret, c'est louer Dieu. La louange, frère, fait tomber des barrières. Alléluia, qui le réalise? La louange fait tomber des barrières. C'est pour ça, bien-aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, prends ce temps, quand nous commençons à louer Dieu, quand nous commençons à être dans sa présence, à prier, frère, ne néglige pas ces moments. Alléluia. N'attends pas que, oh non, c'est quand la prédiction va commencer, que là je vais recevoir. Non, 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 bien-aimé. Dieu est déjà là. Alléluia. Dieu est déjà là. Et dans la prière, dans la louange, tu peux recevoir ce que tu es venu chercher. Alléluia. Même si à travers la parole, tu peux aussi recevoir, mais déjà, dès que tu arrives, concentre-toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Donc tous ceux qui étaient autour, ils entendaient cette louange. Amen. Et la Bible dit, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés en même instant. Alléluia. Tout est tombé. Alléluia. Qui croit que par nos prières, qui croit que par les louanges que nous allons donner à Dieu, que toutes les forteresses qui sont à Orléans vont tomber au nom de Jésus? Qui le croit? Qui le croit? Frère, moi je ne suis pas venu en vain ici. Hein. Je suis venu prier Dieu pour que toutes les forteresses de Orléans, frère, tombent. La religion tombe. Frère, les faux docteurs, les faux prédicateurs, frère, tombent au nom de Jésus. Alléluia. Ces fausses doctrines qui amènent des enfants de Dieu en enfer, frère, tombent au nom de Jésus. Alléluia. Frère, c'est ça. Les véritables guerriers et les guerrières, c'est ça, frère et sœur. Des hommes et des femmes qui prient, frère, qui font bouger les choses. Que par la prière, frère, la Bible nous dit que la prière du juste a une grande, grande, grande efficacité, frère. C'est-à-dire quand tu ne pries pas, frère, pour ton ventre. Non. Tu pries pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Tu loues pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Frère, la louange. La louange à Dieu. Frère, c'est un secret terrible. C'est pour ça que David avait compris, frère. David ne faisait que louer Dieu dans ses combats. Alléluia. Malgré ses adversaires, tout ça, il n'avait pas le temps de s'occuper de ses adversaires. Il préférait louer Dieu. Alléluia. Parce que qui nous donne la victoire? Ce n'est pas David. Qui donne la victoire à nous, tous nos combats, frère? Ce n'est pas toi-même. C'est Dieu. Alléluia. Alors loue Dieu. Donne-lui gloire. Déjà de la victoire qu'il t'a donnée. Parce que nous sommes un peuple prophétique, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que tu réalises les victoires que Dieu t'a données? Alléluia. Est-ce que réellement tu réalises? Je réalise. Je réalise, Seigneur, les victoires que tu m'as déjà données, frère. Je réalise, papa, toutes les victoires que tu m'as déjà données d'avance. C'est pour cela, papa, que je ne veux pas me lamenter sur mon sort. Je ne veux pas me lamenter sur tous mes combats. Papa, je veux simplement te donner gloire. Gloire pour toutes les victoires que tu me donnes déjà d'avance. Alléluia. 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 Donnons-lui gloire. Donnons gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un chant rapidement? Amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus, oh, adorant. Réalise-le! Chante-lui toute la gloire! Adorant Jésus. Adorant Jésus. Oh.